Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là. Je pense que ce sera un des derniers lives de l'année, parce qu'après il va être le mois de juin, je sais pas. Et puis il faudra que je retrouve un sujet à vous présenter, même si on en a encore plein, mais bon. En tout cas, merci d'être là. Aujourd'hui, on va voir les bases du montage vidéo sur iPad. On va voir 2-3 applications, puis une un peu plus poussée, très rapidement. Et voilà. Vous montrer comment faire un petit montage vidéo avec d'abord des photos et pourquoi pas mettre des vidéos après. De toute façon, le principe sera le même. On va parler de iMovie, après on parlera de Keynote très rapidement, de Clips qui est aussi sur votre iPad gratuitement, puis après je vous parlerai de LumaFusion qui est mon petit coup de cœur au niveau du montage vidéo. Après il y a Premiere Rush aussi qui est pas mal, je sais pas si vous voyez qui est juste là, mince, qui est juste là. Mais voilà, en tout cas on va parler de ça. Pour commencer, quand je fais un montage vidéo sur iMovie, quand je fais une formation, ce qu'on apprend d'abord et ce qu'on fait, c'est un album photo. Si on va faire, imaginons que vous êtes dans vos classes, vous avez pris plein de photos, ou vous êtes parti en voyage scolaire, ou en classe de mère, ou vos élèves ont un petit exposé vidéo à faire, et ben on commence par faire un album pour s'y retrouver mieux dans le classement. Alors très rapidement, je vais vous montrer comment on fait un album. En ce moment, je travaille sur la Seconde Guerre mondiale, donc je vais mettre quelques photos de la Seconde Guerre mondiale dans cet album. Juste pour préciser, hein, la plupart des photos qu'on prend, elles sont prises avec un appareil photo ou un smartphone, et elles sont souvent au format 4 tiers. Et un montage vidéo, c'est au format 16/9. Donc il faut bien tenir compte de ça quand on va faire un montage. Hein, si on prend une photo et qu'on fait du 16/9, il y aura certainement en haut et en bas des informations qui vont disparaître. C'est pour ça que dans iMovie, il y a le petit effet Ken Burns qui fait que la photo bouge, bien sûr, c'est désactivable. On y va, si on fait un petit album photo très rapidement. Donc ici, on va créer un album, plus nouvel album, et je vais l'appeler Seconde Guerre mondiale, juste pour l'exemple. Hein. Et là, j'ai pas de photo pour l'instant, donc mon album, il est là, il est vide, et on va y rajouter des petites photos. Donc j'ai préparé, et pour ce faire, je vais prendre 2-3 photos. On va faire tac, on va prendre celle-là. Et bah, t'es capricieux aujourd'hui. Bon, alors attendez, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va prendre celle-là, on va prendre la fuite ici, tac. On va en rajouter quelques-unes. C'est pas terrible ces photos. Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est Varsovie, c'est pour ça. Hop, on va mettre l'image. On va revenir en arrière. Voilà, Hitler par exemple. Hop. Le débarquement. On va prendre une cinquième photo. Hop. Donc voilà, là on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Le problème dans iMovie, c'est qu'on ne peut pas mettre deux pages vierges, deux pages blanches. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je prends un fond uni. Par exemple, voilà, je vais prendre un fond uni, un fond bleu. Donc voilà, j'ai plein de fonds bleus, je vais en prendre un au hasard. Voilà, celui-là, il est neutre. Hop. Et je vais le mettre aussi dans mon album. Sinon, je ne pourrais pas mettre de titre dessus. Là. Ensuite, je vais aller dans iMovie. Donc iMovie, ça se présente comme ça. On peut faire un nouveau projet. Hop. Film, on va sélectionner les photos qu'on souhaite ajouter à notre album. On voit qu'il y en a qui ne sont pas en 16/9. On va voir après et on y va. Celle-là, on ne la prend pas. Voilà, et on va créer un film en bas. Et là, on a notre timeline avec le film. Vous voyez cet effet Ken Burns qui fait que les photos bougent. Bon, c'est un effet sympa. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Si on veut le supprimer, il suffit de cliquer sur la photo. Et là, vous avez effet Ken Burns. Vous pouvez l'enlever. Et donc si on l'enlève, ici, tac, la photo sera fixe, vous voyez, elle ne bouge plus dans notre montage. Bon, après, il y en a qui aiment l'effet Ken Burns, ça donne un effet joli. Voilà, j'ai placé mon fond bleu devant pour mettre un titre, comme ça, ici, je vais pouvoir sélectionner titre.
avec le reflet noir, ouais, c'est, ça marche pas très bien. Bon, et on peut faire un titre ici, hop. Et donc on va pouvoir le noter, on va mettre la Seconde Guerre mondiale. Oh mince, il y a un S majuscule à seconde. La guerre aussi. Hop. Tac. On a notre titre ici, et après, voilà, hop, on a notre déroulé, des photos à laquelle on pourra mettre un commentaire. Ici, vous avez au milieu entre deux photos ce qu'on appelle les transitions. Donc là, c'est un montage simple, hein. Vous avez le temps des transitions, le petit bruitage, et vous avez plusieurs effets, dissoudre, glisser, balayer ou un fondu. Donc le glisser aussi sympa, vous voyez, ça fait ça, hop, le glisser. Vous avez plusieurs effets, le dissoudre qui est aussi sympa. Hop, là c'est celui qui est d'origine, vous avez le glisser, on l'a mis, le balayer, hop, ça balaye d'un coup, et vous avez le fondu. C'est très discret, mais bon, c'est vraiment iMovie pour faire des montages vraiment très très simples, hein, et aller vraiment à l'essentiel. Vous avez donc ici, après vous pouvez rajouter, vous avez le petit plus en haut à droite, alors on ne voit pas dans l'écran parce que j'arrive pas à bien cadrer, je suis désolé. Vous avez un petit plus, et là vous avez vos photos, vos vidéos, vos albums, vos fichiers, et vous avez audio. Donc là vous avez des bruitages qui sont d'office dans le logiciel iMovie, il y en a pas mal, et vous avez des bandes son. Il y en a pas mal aussi. Vous voyez par exemple ici. Je sais pas si on entend. Donc, vous pouvez choisir une petite bande son. En plus, hop. Vous avez plein de bandes son à télécharger, à écouter, à voir après celle qui vous plaît. Et si vous voulez, il y a juste à cliquer plus. Hop. Et la bande son va s'ajouter en dessous de votre projet. Bien sûr, vous allez pouvoir rajouter je vais décaler un petit peu l'iPad, ici à droite, le bouton micro. Donc le bouton micro, il est ici pour pouvoir enregistrer sa voix. Hein. Vous placez d'abord le curseur où vous voulez que ça commence, par exemple ici au début, et on place le micro. On a la barre de son qui montre qu'on enregistre bien, et on y va, le chronomètre. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous pouvez le réécouter, le refaire, ça va pas. Et si c'est bon, on accepte. Hop. Et on a notre piste ici qui est en violette en dessous avec ma voix qui est par-dessus le titre. Ok ? Après, vous pouvez cliquer sur les bandes son. Par exemple, si je clique sur illumination, la musique, là, je vais pouvoir régler le volume pour mettre moins fort, par exemple, pour pouvoir entendre ma voix. Par exemple, on va mettre à 32%. Voilà, parce que c'était un peu fort. Et comme ça, je vais pouvoir entendre ma voix. Ici, pareil, hein, le volume à 100% de ma voix, je peux même l'augmenter, hein, ou le baisser. Y jouer aussi sur la vitesse. Ça peut faire marrant, ça fait un peu une voix de canard ou une voix de lapin. Ensuite, on a donc nos photos qui vont défiler. Sur chaque photo, vous allez pouvoir appliquer un filtre si vous voulez. Vous voyez, il y a des filtres déjà disponibles. Alors, ça marche sur les photos et sur les vidéos. Donc bon, là c'est des photos en noir et blanc, donc je ne vais pas appliquer de filtre, mais on peut appliquer un filtre. Hein. Et bien sûr, sur chaque titre, sur chaque photo, on peut mettre un petit texte. Hein. Donc un petit texte simple. Et à chaque fois, ici, il peut être, par exemple, si je prends dévoiler, là il est au centre, mais je peux le cliquer pour le mettre plutôt en bas. Là par exemple, je peux mettre Jeep américaine. Ici, hop. Pour faire un détail, hop, j'espère que c'est une Jeep américaine, hop, et après je peux changer la police. Alors il n'y a pas beaucoup de choix, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment c'est un logiciel standard iMovie qui permet de tout faire assez rapidement et facilement, et qui permet vraiment de s'amuser quand on débute dans le montage vidéo. Ensuite, là vous avez vu, j'ai mis j'ai mis des photos, on peut en mettre plusieurs. Donc par exemple ici, là j'ai une photo. On peut très bien, hop, retourner dans mes données multimédia, genre décaler l'iPad, hop. Donc dans mon album, j'avais mon album Seconde Guerre mondiale. Il est où mon album Seconde Guerre mondiale? Il est là, voilà. Donc là, ici, quand je clique sur une photo, j'ai un petit plus pour l'ajouter, mais je cite trois petits points. Et pour un petit point, j'ai l'écran vert bleu. Alors, je ne sais pas si on voit, il y a le reflet. Hop, j'ai l'écran vert bleu pour faire, si vous avez tourné une photo ou si vous avez fait une vidéo sur fond vert. Hein,
Ok. L'album, non, je l'ai créé dans l'application photo. Toujours, on commence toujours dans l'application photo. Après, plan de coupe, image dans l'image ou écran scindé. Si je prends écran scindé, par exemple, vous voyez, il va se mettre par-dessus. Voilà. Et là, j'aurai... hop, je remonte, je redécale l'iPad. J'aurai deux photos, l'une à côté de l'autre. Hop. J'aurai du mal avec ce petit truc. Je ne sais pas si vous voyez tous. Voilà. J'aurai deux photos, l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, en scindé, en deux, ok. Ici, je peux changer l'incrustation de la photo. Ici, je mets image dans l'image. Et donc là, elle sera dans l'image. C'est-à-dire que je mets une autre photo dans une photo. Par exemple ici, après, ici, je vais pouvoir la glisser, la mettre où je veux. Je vais la mettre là et je peux la pincer pour la redimensionner. Hop, voilà. Par exemple, là... Je veux mettre un élève qui parle, qui commente. Hop, je mets sa vidéo ici. Alors là, j'ai mis une photo, mais ça peut être une vidéo. Et donc ici, voilà, j'ai montage. Hop, la petite photo ici. Donc ça peut être du texte, ça peut être ce que vous voulez, que vous avez préparé avant. Donc du coup, on ajoute à ce montage une photo dans le photo, une photo dans la photo, pardon. Voilà. Et là, je vais la remettre ici. Ici, ici, je clique toujours les deux petits points. Écran scindé. Et donc là, je retourne avec mes deux photos. Alors, vous voyez, donc un montage ici où on a vraiment une petite image, l'image dans l'image, et hop, on passe l'écran scindé en deux. Si on met plusieurs choses, vous avez toujours l'effet Ken Burn, hein, avec le petit mouvement. Alors, pas sur les photos ici. Okay. Après, on peut les redimensionner. Hein, on peut ici bouger pour voir la séparation entre les deux. Hop, mince, je vais la remettre. Et puis, on peut les inverser haut à bas si c'est des photos en 16:9, hein, et puis les remettre comme ça en format. Portrait, alors c'était dans l'autre sens que je voulais. Voilà, donc on peut vraiment voilà, faire quelque chose de sympa. Et pour commencer, une petite musique, des petits commentaires, des petits textes, et bien préparer avant vos albums et ce que vous allez mettre dans votre oui, on peut mettre des slides, on peut faire ce qu'on veut. Alors après, avec des slides, iMovie c'est bien, mais on peut aussi utiliser Keynote que je vais vous montrer après. Donc là, on est donc audio, les bruitages. Voilà, des photos, on peut rajouter aussi une vidéo. Je vais vous montrer, je dois avoir une vidéo qui traîne dans mon iPad. Toutes les vidéos. Voilà, ça c'est moi qui parle, mais c'est pas grave, c'est pas très intéressant. Si je mets une petite vidéo de 13 secondes, voilà, on s'en fiche, chez moi là, hop, pareil. Donc je peux mettre que l'audio de la vidéo si je voulais garder que l'audio, et sinon voilà, je mets image dans l'image, tac. Et donc je parle en même temps, hop. Je vais me bouger parce que là je vais me mettre en bas à droite et je vais réduire, hop. Voilà, ça fait un peu comme le reportage télé, vous avez quelqu'un qui parle sur les vidéos en même temps, donc on peut vraiment faire quelque chose de vraiment sympa assez facilement, vous voyez. Donc ça, c'est les bases de iMovie. Après, on peut y rajouter, voilà. Il faut faire les slides, il n'y a pas de avant, après. Hein. Après, dans iMovie, il y a ce qu'on appelle la bande-annonce, mais ça, c'est pour faire autre chose. Mais il y a vraiment moyen de s'amuser. Vous pouvez mettre plusieurs pistes, plusieurs musiques. Si vous voulez, par exemple, mettre la musique que pour l'accueil ici, pour le départ, bah, ici, vous avez sélectionné la bande et vous sélectionnez scindé. Hop. Et vous allez couper en deux votre musique et vous allez supprimer, par exemple, la partie d'après, parce que je voulais juste pour la musique d'introduction, par exemple. Okay. Et c'est pareil pour la vidéo, ici. Hein. Vous pouvez la scinder en deux, ici. Voilà. Et vous pouvez aussi détacher l'audio. Si on détache l'audio, vous voyez, la piste audio de ma vidéo va se mettre en bas. Et là, je vais pouvoir après jouer sur le volume. Par exemple, je veux qu'on m'entende beaucoup plus fort que la musique. Je vais mettre à 130. Et pareil, comme je disais tout à l'heure, si on retourne sur ma vidéo, vous avez les filtres, ici. Et donc, je vais pouvoir... Pour rester dans le thème, mettre ma vidéo en noir et blanc. Comme ça, ça dénote pas. Ma vidéo est en noir et blanc. Vous voyez ? Donc je sais que je vais peut-être un peu vite. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est assez simple pour commencer. Et on peut faire vraiment des choses super sympas. Et après, pareil, si vous filmez devant un fond vert, pardon, il suffit de l'incruster quand vous avez vu vert bleu. Et donc là, vous allez être posé devant l'écran. Malheureusement, je n'ai pas de fond vert, je ne crois pas. Est-ce que j'ai quelque chose sur un fond vert? Est-ce que j'aurais fait une vidéo sur un fond vert? Ah là, j'ai un fond vert ici, un petit bout de la vidéo. Est-ce qu'on peut essayer ce petit bout-là? Je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'il y a du jaune?
Est-ce que ça peut marcher? Non, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que je sois qu'en fond vert. Donc voilà, très facile de faire une petite vidéo avec ce logiciel. Okay, donc c'est vraiment sympa. Après, ça peut être juste des slides, mais bon, les slides, il va falloir faire un imprimé écran, etc., etc. Le noir et blanc, voilà, il suffit de cliquer sur la vidéo et après de choisir filtre. Vous avez filtre en bas. Et vous pouvez mettre, il y a plusieurs choix de filtres qui sont d'office. Après, vous pouvez transformer avant. C'est le même filtre qu'il y a dans l'application photo. Donc là, j'ai mis le filtre noir et blanc. Et c'est pareil pour les photos. Là, c'est des photos, après, on peut les remettre un peu en couleur, un peu en noir et blanc, vous voyez. Mais bon, l'original, j'ai pris des photos. J'aurais peut-être dû prendre des photos en couleur. Ça aurait été peut-être... Bon, en tout cas, voilà. Là, j'ai fait une petite... Et après, on peut voir... Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de la Seconde Guerre mondiale. Très facile. Alors, on n'entend pas du tout la musique. Alors, j'ai trop baissé. Je vais mettre à 80. Est-ce qu'on fait ça? Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la Seconde Guerre mondiale. On entend un peu la musique, hein, c'est bon. Voilà, la Jeep américaine. Après, nous avons notre petite incrustation qui arrive. Donc là, après, c'est votre imagination à vous, hein, qui va rentrer en compte et qui va permettre de faire un montage assez sympa. Et c'est vraiment très simple, sans effort. Vous avez vu là, j'ai fait un petit truc rapide. Bon, après, c'est pas fini, hein. Ça reste à poser. Bienvenue sur ma chaîne Un prof des écoles. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur OneNote. Et vous voyez, voilà, c'est vraiment très simple et il n'y a pas de problème. En plus, vous pouvez commencer et y revenir quand vous voulez. Hein. Il suffit de cliquer sur OK en haut à gauche. Et là, vous avez ici tous vos projets, hein, que vous pouvez citer. Et quand vous allez donc sur votre film ici, le visionner en plein écran. Bonjour, donc, aujourd'hui nous parlons de la Seconde Guerre tout à l'heure, et vous pouvez après l'exporter. Donc si je veux exporter et enregistrer la vidéo sur mon iPad, voilà, je vais avoir plusieurs résolutions. Alors choisissez au minimum 720p, après ça va être très compliqué. Bon, du HD ça suffit, la 4K ça sert à rien pour ce qu'on fait. Bon, HD ou 720p ça suffit bien. Donc là c'est pour iMovie, mais on peut très bien aussi faire la même chose avec Keynote. Alors j'avais préparé le Keynote, par exemple ici vous voyez c'est une petite capsule qui a... Bonjour. Et on peut exporter qu'une page ou des pages. Par exemple si on veut, voilà, on a une vidéo. Bonjour. Et je vais faire un petit cadre sympa avec un titre, etc. Et juste poster ça sur ma chaîne, mais parce que soit on met que la vidéo, on ne peut pas mettre un titre en dessous. Enfin, on n'a pas de cadre. Donc on fait un cadre, on fait un truc sympa, on met la capsule au milieu, la vidéo qu'on a enregistrée sur son iPad. Et après, hein, on va aller dans l'export. Je vais redécaler l'iPad. On va aller dans l'export, on va exporter. Et là, vous allez exporter en vidéo. Vous avez la vidéo. Ce que va faire, c'est que je vais... Ah non, pourtant, je ne suis pas en mode nuit. Je ne sais pas pourquoi il est en... noir. Bon, je vais exporter en vidéo ici et je vais pouvoir choisir ma diapositive. Donc là c'est la diapositive 31, donc je vais choisir juste ma diapositive 31, tac, ici. Les diapositives suivantes, il n'y a pas besoin, la résolution 1080p, et je vais exporter juste ce cadre, cette vidéo avec ce cadre que je vais retrouver après directement. Après je vais pouvoir envoyer. Mais bon, souvent j'enregistre tout dans ma photothèque. Voilà, vous avez le partage, hop, j'enregistre la vidéo. Et là, si je retourne dans mes photos, hop, on va virer ça. Ici, vous avez hop, ma vidéo. Je vais vous parler des polygones. Avec le cadre. Voici des quadrilatères. Ils sont composés de quatre côtés. Alors le texte n'est pas paru. Les triangles sont composés de trois côtés. Voilà. C'est le nombre minimal pour un polygone. En tout cas, j'ai mon petit cadre et j'ai ma vidéo. Voici quelques polygones. Après, ça, c'est juste pour un cadre. Mais si on retourne dans Keynote, hein, là, vous avez tout un travail ici. Par exemple, là, c'était les ceintures que j'ai présentées la semaine dernière. Dans le plus, vous pouvez ajouter de l'audio, etc. Hein. Donc, vous pouvez enregistrer votre voix derrière. Et puis après, vous allez enregistrer en film aussi. Et pour slide, chaque slide. Et les slides vont défiler. C'est vous qui allez régler, comme vous avez vu tout à l'heure. Si j'exporte en vidéo, vous avez le temps que vous voulez entre chaque slide, une seconde. Visualine. Et donc du coup voilà, ok, donc c'est très simple et ça permet de faire plein de slides. Si vous avez des PowerPoint que vous voulez mettre en vidéo, bah voilà, il n'y a pas de secret. On enregistre sa voix, c'est très simple, hein. Plus hop, on enregistre de l'audio, on a une bande en bas et qu'on peut modifier en plus. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des ceintures de compétences. Voyez,
là, je peux me balader dans ma timeline. Je peux la modifier ici. Hop. Je peux l'élaguer, couper, continuer l'enregistrement ou le supprimer pour recommencer à zéro. Et quand c'est OK, j'ai l'aperçu. Et sinon, j'insère. Et donc là, on a notre petite voix. On peut en insérer plusieurs qui m'iront les uns derrière les autres. Là, ça se voit. Mais quand on va enregistrer en film, après, on va exporter. Tac. Juste en vidéo, la première diapositive. Tac. Et il y aura juste le slide et ma voix. Hop. Non, c'est pas celui-là, c'est là. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des ceintures de compétences. Voilà, c'est tout simple. Donc vraiment, bon après là il y a la slide qui passe là ensuite, mais parce que j'avais fait. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des ceintures de compétences. Voilà, c'est vraiment très simple et vous pouvez faire une petite vidéo comme ça, juste en faisant des slides et après en posant votre voix derrière. Voilà, c'est vraiment la simplicité. Ensuite, un autre logiciel qui est gratuit sur votre iPad. Alors par contre là, il va filmer en. Parce que c'est un logiciel qui marche qu'en format portrait, ça va être mieux pour Instagram, voilà. C'est Clips, bien évidemment. Et Clips, c'est top aussi, moi j'aime bien. Par contre, c'est fait pour les réseaux sociaux, donc c'est du montage en 4 tiers. J'enregistre toujours tout dans photo, voilà. Dans photo, voilà, j'ai ma grande bibliothèque avec tous mes trucs que j'ai, voilà. Après, c'est un iPad professionnel, donc il n'y a pas de photo personnelle dessus, là. Ok, c'est pour mon boulot. Alors, hop, je retourne, donc j'avais dit dans Clips. Donc Clips, c'est sympa aussi, eh ben, vous me voyez, c'est bien. Je vais changer la caméra, touc, vous allez voir rien du coup, du noir. Donc Clips, c'est un peu le même principe, mais c'est en carré, pardon, format carré. Donc ce qui est bien dans Clips, c'est qu'il y a des affiches de début, c'est-à-dire pour mettre des petits titres et qui sont très animés, qui sont vraiment sympas. Par exemple, on va prendre celui-là, il était une fois. On va pouvoir gérer aussi la musique, etc. Vous voyez ? Donc là, on choisit son tour. Donc là, il était une fois. Je vais changer. On va rester sur la Seconde Guerre mondiale. Je suis désolé. Hein, pour ceux qui n'aiment pas l'histoire. Tac. Mondiale. Hop. Ok. Et après, pour enregistrer, alors vous allez pouvoir. Il va falloir juste appuyer sur le bouton rouge. Regardez. Voilà. Donc là, ça s'est enregistré. Et en bas, je ne sais pas si vous voyez, en bas à gauche, vous avez mon premier enregistrement. Alors bien sûr, il va falloir que je... Voilà, c'est muet de base. On peut mettre avec le son pour enregistrer sa voix par-dessus. Moi, je mets muet parce que bah, là, je vais mettre de la musique derrière et je n'ai pas envie de parler. Mais après, je vais pouvoir, si je veux, parler en même temps. Par exemple, je vais enlever le muet. Ça, je vais le supprimer et je vais recommencer. Bonjour, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, voilà, j'ai enregistré également ma voix. Okay. Ça, c'est une appli qui est dans l'App Store qui est gratuite. Hein, c'est Clips. Voilà. Donc là, j'ai mis ça. Maintenant, je vais pouvoir te rajouter mes photos. Vous avez des scènes ici, mais ça, c'est pas la peine. Je vais sortir les scènes. Parce qu'en plus, tout le monde l'aura pas. On va dans caméra pour filmer. Et sinon, on va dans bibliothèque. Et là, je vais retrouver mes photos. Je vais mettre ici, par exemple, celle-ci. Voilà, elle est dégoûtante. Donc, je vais en choisir une deuxième. Ouais, voilà. Vous avez vu, j'ai pas pris des photos en bonne qualité. Forcément, ça donne pas bien. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'exemple, ça va suffire. On va prendre, voilà, ceux qui sont proches du débarquement. Et on va pouvoir, en cliquant sur la petite étoile, rajouter des filtres. Donc vous voyez, c'est souvent mon filtre BD qui est là. Rajouter des filtres. Mais bon, là, on ne va pas en mettre. Et on va pas rajouter du texte surtout. Et donc, vous avez plusieurs modèles de texte. Donc là, on va mettre c'est le débarquement. On va mettre celui-là, par exemple. Donc c'est le débarquement. Tac. Et là, pareil, on va l'ajuster où on veut. On peut le mettre là. On peut le mettre comme ça. Vous avez plusieurs choses ici, ouais, ou des flèches, etc. Ah, j'aime bien. Je vais enlever celui-là. Et je vais mettre celui-là. C'est plus joli. Débarquement. Débarque. Eh ben, il ne veut pas me le mettre. Hein. Voilà. Là, on va le mettre là, comme ça. Vous voyez, on va faire un montage facile.
Android, il n'y a pas Clips, il n'y a pas iMovie. Pour l'instant, ce sont les trois applications que j'ai montrées. Je suis désolé, ça va être les applications pour iPad. Voilà, donc là, c'est le débarquement, très facile. On est ici, on a des autocollants. Alors, les autocollants, c'est plutôt pour s'amuser. Hein. Vous voyez, parce que là, c'est un sujet qui est pas terrible. Donc, mais par contre, on a des trucs Star Wars. Alors, vraiment, il y a de quoi s'amuser. Les enfants, quand ils font un petit montage avec, ils s'éclatent. Mais vous voyez, par exemple, je peux mettre Woody. Si je clique sur Woody, voilà, il va se mettre là. Et vous allez voir. Hop, je vais le mettre là, tiens, par-dessus. Il va faire une petite animation. Bon, les emojis, tout ça, vous connaissez. Les animojis, c'est pour moi, mais on s'en fiche. Voilà. Une fois qu'on a fait notre montage, on va pouvoir enregistrer. C'est le débarquement. Et donc, ma vidéo. Bonjour, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. C'est le débarquement. Très simple. Ensuite, je vais rajouter encore une photo. Par exemple, je vais reprendre celle-là avec Hitler. Et ici, je vais pouvoir faire du titre live. Du titre live, c'est-à-dire que je vais parler et en même temps, les sous-titres vont s'afficher. Par exemple, si je prends celui-ci, je vais parler pendant l'enregistrement et il va y avoir les sous-titres. Vous allez voir. Tac. Hitler salue son armée. Et donc là, si je remets ma vidéo depuis le départ. Bonjour, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. C'est le débarquement. Hitler salue son armée. Oui. Bon, après, c'est pareil pour l'enregistrement, parce que c'est après, mais vous avez vu, c'est génial. Hein non, c'est pas la voix de Woody, ça c'est ma voix. Woody fait juste le chapeau. Mais en tout cas, voilà, on peut même faire du sous-titrage pour l'anglais ou français, même. Voilà, comme ça, les enfants, ils peuvent voir aussi les mots. Donc, ça permet vraiment de faire des tutos, par exemple, pour les CP, de parler, de raconter une histoire et en même temps de voir le texte en dessous. Et il n'y a pas besoin de le taper. Hein, c'est le logiciel qui le fait pour vous. Donc ça, c'est vraiment top. Vous en avez plusieurs, même pour un karaoké. Et vous avez même, vous voyez, ça suit le mot. Alors, on va faire avec celui-ci. On va mettre une autre photo. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis, celle-là? Voilà. Les Français fuient. Et donc, si on y va. Tac. Bonjour, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est vraiment c'est top, hein. Le débarquement. Donc là, c'est vous dit Hitler salue son armée. Les Français fuient. Bon, là, il y a une petite faute d'orthographe. Hein. Ça se modifie après. Mais comme quoi, c'est pas infaillible, malheureusement. Ils n'ont pas fait l'accord avec les Français. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être, avec des phrases, et si, des phrases simples, on va dire, être sympa pour, voilà, pour le CP et pour faire du sous-titrage sans le taper. Donc, c'est vraiment, je fais marre. Et à la fin, je finis par une affiche. Voilà. Voilà, il y a plein de modèles qui sont sympas, qui donnent des moments. On va mettre celui-là. Fin, voilà, c'est très bien ça. Bon, alors après, c'est pas fin, hein, mais... Et on va enlever ça, on va en mettre aucun. Et voilà, et fin. Hop. Je vérifie que j'étais en muet. Là, je suis pas en muet, parce que j'ai parlé. Et voilà, donc mon petit montage facile. Ensuite, je vais mettre une petite bande son, musique en haut à droite. Et là, alors si vous mettez votre musique à vous, attention au droit d'auteur si vous le partagez après. Il y a le soleil derrière, non? Je sais pas si ça tape dans l'écran. Bon, je me décalerai après. Vous voyez quand même, c'est tout est noir. Hein. C'est l'iPad, tout est noir sur l'iPad. Et du coup, là, vous avez plein de photos, plein, libre de droit, ceux-là. Donc vous pouvez après les mettre. On va mettre un petit rétro. Alors celui-là, il donne comment celui-là? C'est bien chargé. Bon, bah, il est pas vaillant celui-là. Allô, allô. Bon, là, il ne veut pas charger la musique. Je pourrais peut-être une coupure internet, j'en sais rien. Ah si, ça y est, mais c'est long. Ah, voilà. Voilà. Donc, si on veut celui-là, on la sélectionne, on revient en arrière, on met OK. Et ce qui est bien, c'est que la musique va se baisser tout seul et va monter tout seul. Enfin voilà, elle gère par rapport à la voix. Là, on y va. Non, c'était fin ça. Hop. Bonjour, nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. C'est le débarquement. Oui. Hitler salue son elle armée. Elle est pas très forte là. Les Français fuient. Voilà, une chose tout simple, très rapidement. Un petit montage vraiment super rapide avec Clips sans effort. Et voilà, faut vraiment, comme je disais tout à l'heure pour iMovie, explorer et faire plusieurs choses. Et mon coup de cœur après, ensuite,
portrait. Je vais reculer un peu et il y a du soleil derrière. C'est pas grave, on va décaler un peu comme ça. Hop. Ça, d'être dehors, hein. On profite du beau temps et puis voilà. Donc là, c'est mieux. Voilà, j'ai décalé un peu. Voilà. Donc du coup, moi en ce moment, j'utilise LumaFusion. Donc LumaFusion, c'est mon logiciel préféré pour le montage. Là, c'est vraiment le multipiste, c'est vraiment un niveau au-dessus. Je peux pas vous en faire une démonstration parce qu'il me faudrait au moins 1h30, 2h pour le montrer. Mais voilà, il y a vraiment plusieurs pistes. Là, j'ai commencé mon montage, vous voyez, pour parler des ceintures, faire une petite vidéo sur les ceintures. J'ai encadré mes... Oui, là j'enregistre l'écran de l'iPad. Hein. Donc oui, on peut enregistrer l'écran de l'iPad sur des applis, bien évidemment, pour faire des tutoriels. Donc là, j'ai commencé mon montage. Voilà, je vais mettre les ceintures de compétences. Et donc du coup, je vais mettre mon petit bonhomme ici à gauche avec LumaFusion. Je vous montre juste comment on fait. Donc là, je suis obligé de... Mince, alors je vais... Allez. Je fais d'habitude, j'enregistre mon petit bonhomme. Hop. Là, s'il me voit dans la vidéo. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des ceintures de compétences. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des ceintures de compétences. Voilà, donc LumaFusion il a 25€, mais bon, c'est pas si cher que ça hein, pour si on fait du montage régulièrement. C'est un investissement. Donc là, je me l'auto-envoie. Hein. Comme ça, je vais pouvoir l'enregistrer. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler pareil, des ceintures de compétences. J'enregistre la vidéo dans les photos. Donc là, c'est fait. Et là, ensuite, je vais l'insérer dans mon montage LumaFusion. Pareil. Donc à demain, je peux augmenter la timeline. Et là, tac. Je dois avoir mon petit bonhomme. Et je vais le mettre là, sur le dessus. Voilà. Et après, je vais le... cadré ici, on a tout le mode de LumaFusion, ce qu'on n'a pas dans d'autres applications, c'est qu'on va pouvoir placer les objets où on veut, voilà, et même jouer sur la colorimétrie, enfin voilà, c'est vraiment un logiciel très complet. Donc là, je réduis mon bonhomme et je le mets à peu près là à gauche, voilà. On ne sera pas à la version finale, hein. Et voilà. Et quand c'est bon, je mets OK, je reviens à ma timeline. Ici, je vais devoir agrandir jusqu'à la fin. Voilà, ça c'est quoi ? Hop, pareil. Sauf qu'ici, je vais couper un peu avant la fin parce que je m'arrête. Hop, ici on voit qu'il y a un blanc. Je coupe ici, je vais supprimer le petit bout. Je commence pas au début, j'ai commencé là. Hop, je vais supprimer ici. Mince, on va revenir en arrière parce que là, j'ai fait une bêtise, je suis allé trop vite. C'est celui-là que je voulais couper seulement. Hop, et ça, je vais l'enlever. Tac, et après je déplace et j'arrange ma... vidéo, hop, et là voilà, j'ai fait les réglages et je vais essayer de voir ce que ça donne. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des ceintures de compétences. Voilà, donc là c'est vraiment du montage un peu plus presque professionnel, même on pourrait dire, mais il y a plein de pistes, plein de sons, etc. On peut vraiment aller plus loin, quoi. Donc les applications que j'ai montrées au départ, c'était parce qu'en même temps quand je regarde l'écran, j'ai du mal à regarder l'écran de mon iPhone. C'est au début iMovie qui est vraiment gratuit de base sur iPad, et quand on commence le montage, c'est vraiment l'application que je vous conseille parce qu'elle est vraiment très simple et on peut faire vraiment des choses très sympas. Après, je vous ai montré Clips qui est vraiment rigolo, par contre c'est du film en format carré, donc plus en 16:9. Pour intégrer un Animoji sur iMovie, c'est plus compliqué parce qu'il ne gère pas les calques. Je vais vous montrer. Par exemple, si je retourne dans iMovie, le problème, c'est qu'il aurait fallu que ça soit sur un fond vert. Et ce qui est bien avec LumaFusion, c'est que ça gère. Si je modifie, j'insère mon iMovie, il va être en fond noir. Là. Image dans l'image. Je vais supprimer celui-là. Et je vais mettre celui-là. Ah bah si, on peut. Bah du coup, vous voyez, il gère bien le fond, l'incrustation de l'image. Vous voyez, bah c'est une nouveauté qui est mise dans iMovie. Très bonne question. Sont marqués Fille du Soleil, donc je ne sais pas ton prénom. Mais voilà, en tout cas, effectivement, regardez. Hop. On peut même le mettre dans iMovie. Mais c'est parfait ça, regardez. Hop, la petite tête qui apparaît comme ça. Nickel, hein.
On peut aussi donc le mettre dans iMovie. Voilà. Et ben même moi, j'apprends des choses tous les jours au fil des mises à jour de iPhone. Mais par contre, on peut pas en mettre deux. Parce que vous voyez là, si je veux remettre image dans l'image, je peux pas là, la mettre par-dessus. Je peux pas en mettre deux. Je peux pas en mettre un de chaque côté. Alors que dans LumaFusion, je peux la remettre par-dessus et avoir des personnes qui se parlent, par exemple. Donc, je peux en mettre vraiment beaucoup plus. Ok, donc c'est vraiment pratique. Ah, j'ai un fond blanc. Tu l'as bien enregistré. Bon, c'est bizarre. Faudra. T'as bien mis image dans l'image. Faut pas mettre à côté. C'est image dans l'image. Donc on peut en mettre plusieurs. Alors celui-là, je vais le supprimer. Et puis de toute façon, celui-là, je vais le supprimer aussi. Voilà. Et après, vous avez aussi, mais c'est payant, Adobe Rush. Où là, faut avoir un abonnement à Adobe. Et du coup, voilà. C'est sympa aussi. En mode gratuit, vous pouvez faire trois montages. C'est Adobe. Il y a des trucs vraiment sympas aussi. On peut faire des projets sympas. Mais vous avez le droit qu'à trois projets gratuits. Et après, c'est payant. Donc, j'avais essayé aussi. J'aimais bien à un moment donné. Mais là, je me suis vraiment mis à fond dans LumaFusion. Et voilà. Et j'aime bien faire des clips pour des petits retours sur des journées. On a fait un petit album photo. On a fait une après-midi. Ça fait vraiment un montage très rapide pour, avec une petite musique sympa pour parler et envoyer ça à ses amis après. Par contre, faites bien attention au format. Hein. Les formats photo, c'est 4 tiers. Le format vidéo, c'est 16 neuvièmes. Dans Clips, c'est du format carré. Donc voilà. Bah voilà, ça fait 40 minutes. C'était ce que je voulais vous montrer pour les petits montages vidéo assez simples avec l'iPad pour commencer. Après, on peut aller plus loin si vous voulez explorer LumaFusion et voir toutes les fonctions. J'ai montré rapidement iMovie. De toute façon, le live il sera en story, enfin il sera sur mon profil, vous pourrez le regarder dans ITV, Instagram, je crois, c'est ça, Instagram TV. J'ai montré Keynote aussi, oui, c'est ça, j'ai montré Keynote, j'ai oublié de montrer parler, oui. J'ai montré Keynote, c'est bien, Nathalie, tu as bien fait. Donc dans Keynote aussi, hein, on peut faire vraiment, si vous avez des slides, des PowerPoint que vous voulez mettre en vidéo et faire une petite vidéo animée pour vos élèves. Vous pouvez mettre des photos, des images, toute votre présentation elle restera comme telle. Il suffit juste de régler les secondes d'animation et vous pouvez enregistrer autant de voix que vous voulez sur un même slide. Donc c'est vraiment simple. Oui, il sera en replay, donc vous pouvez le regarder. J'ai montré pour Keynote, j'ai même montré si vous voulez même me mettre un cadre à une vidéo pour la partager sur YouTube ou sur un réseau. Voilà, il suffit juste de l'intégrer sur une slide Keynote et d'exporter la slide en format vidéo et c'est tout. Comme ça, vous avez un petit cadre, un petit titre en haut de la vidéo et on peut faire une chose sympa. J'avais fait ça pour ma vidéo sur faire les angles, pour reproduire un angle. Je ne sais pas si je l'ai encore. Les mesures d'air, est-ce que j'ai sur les angles? C'était en rouge. Oui, voilà. Vous voyez? J'ai fait la méthode comme ça. Donc là, c'est une vidéo. Hein. Vous allez voir mes doigts qui vont tout apparaître. Voilà la règle. J'ai mis le titre avec la méthode. J'ai mis un petit scotch pour faire sympa. Et puis voilà, j'ai exporté la vidéo comme ça. Donc j'ai une vidéo avec un petit cadre. Et j'ai ma vidéo à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Ça donne un style. J'aime bien. Je trouve ça assez sympa pour faire un petit tuto. Alors, exportable en vidéo sur plusieurs formats, c'est-à-dire en. De toute façon, le format, c'est le format propriétaire Apple, donc c'est le format MOV, M-O-V, MOV ou MOV. Après, vous pouvez les transformer en MP4 sur les sites en ligne, hein, mais le format Apple de base, c'est MOV. Ce sera toujours comme ça. Mais après, oui, vous pouvez le partager et l'exporter, après le transformer en MP4 si vous préférez, pour mettre sur certaines plateformes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'y réponds 2 minutes. Sinon, je vous laisse. Ce sera un peu plus court que d'habitude. C'est pas plus mal. Comme ça, pour ceux qui vont regarder, ce sera moins long. Et en tout cas, je vous dis merci pour être venu nombreux. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Et n'hésitez pas à me poser des questions en message privé si vous avez des interrogations par rapport au tel ou tel logiciel. Ben merci à ceux qui arrivent, là, qui me font coucou, mais malheureusement je m'en vais, c'est fini. Vous pouvez le regarder en replay, je le mets en replay.
Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Merci à tous. Et je pourrais expliquer sur les polices iPad. Alors juste, je peux juste répondre à la question. Pour les polices différentes sur iPad, il faut aller sur App Store, installer déjà une application de police d'écriture, et une fois dans cette application, on pourrait en installer sur l'iPad. Ça se marche comme ça. On peut pas prendre une police d'écriture directement sur Safari et l'installer sur l'iPad. Il faut passer par une application. Hein. Apple, ils passent tout par pour installer en tout cas sur iPad, ils passent pratiquement tout par leur store. Donc, faut que tu fasses comme ça. Faut que tu ailles déjà chercher une application de police d'écriture. Ben, merci à vous. Allez, au revoir. Oui, mon cœur. Est-ce que tu peux mettre cette photo là dans ton écran? Oui. Ça c'est la fin d'une vidéo. C'est la fin d'une vidéo. C'est la fin de la vidéo quand ils font semblant de faire OK.